Здравейте, господин Бодюс в Пловдив. Добре дошли в нашия прекрасен град. Bonjour, monsieur Bodius. Bienvenue dans notre ville, Plovdiv. Bonjour à vous et à Plovdiv. Здравейте на вас и на Пловдив. Какъв е поводът да бъдете в Пловдив? Разбрах, че за втори път идвате. И кое ви провокира да направите изложба точно в нашия град? Quelle est l'occasion de faire une exposition à Plovdiv? J'ai compris que vous êtes pour la deuxième fois à Plovdiv. Eh bien, la première fois que je suis venu à Plovdiv, c'était quand Plovdiv était la capitale européenne de la culture, parce que j'avais un ami qui exposait là, donc j'en ai profité. Et j'ai eu un coup de foudre pour Plovdiv, pour la vieille ville, pour tout ce qu'il y avait. Et au fur et à mesure où je suis revenu en Bulgarie, je suis revenu en Sofia, où j'ai été faire une exposition, eh bien, je suis revenu et j'ai rencontré Borjida, merci. Et on s'est tout de suite bien entendu et on a monté ensemble cette exposition et c'était parfait. Du coup, pour avoir le temps de faire la présentation. За първи път дойдох в Пловдив по време на откриването на Пловдив, столица на европейската култура. И градът много ми хареса. След това имах възможност в София да направя изложба 2020, миналата година, и там още веднъж дойдох в Пловдив и така се запознахме с господин Савов, Божедар Савов, и решихме да организираме изложба. Каква е темата на платната, които са тук в изложбата и как ги е подбрал, за да бъдат тук те в Пловдив? Какъв е подбора? Comment vous avez choisi les peintures pour exposer à Plovdiv? Quelle est la raison du choix? Eh bien, avec Bojizav, on a un peu la même vision de la beauté du monde. С Божедар имаме еднакъв подход към красотата на света. Et moi, j'aime beaucoup peindre tout ce qui est nature, la forêt, les arbres, la mer, la montagne. Аз много обичам да рисувам природата, планини, морета, гори, градът. Et même la ville. Et дори градът. Et quand j'ai montré quelques-unes de mes toiles à Bojidav, il a dit c'est ça qu'il nous faut. Et on a décidé de faire des petits formats pour qu'on puisse en mettre suffisamment dans cette galerie. Когато показах някой от платната на Божедар, той каза да, това е точно това, което ни трябва, и аз направих, решихме да направим по-малки платна, за да може да изложим повече различни видове. Voilà. Et puis du coup, j'ai travaillé dans ce sens-là. Un peu spécialement pour cette exposition. И наистина работих заради тази изложба. А може ли да кажем, че това е началото на едно сътрудничество между него и между България, в което ще продължи по някакъв друг начин, освен поставянето на изложби в София и в Пловдив? Est-ce qu'on peut considérer que ça serait un début de collaboration entre toi et la Bulgarie, Sofia, Plovdiv, et peut-être des expositions prochainement? Alors, tout à fait. Quand on avait fait une première exposition à Plovdiv, on avait fait ça dans le cadre du groupe de Sèvres, qui est un groupe que j'avais créé. Et ça s'inscrivait dans une démarche de faire une tournée en Europe pour aller à la rencontre un peu de chaque artiste et chaque culture de chaque pays. Bon, malheureusement, avec la pandémie, ça a été plus compliqué. Нашата идея, наистина, беше да започнем от София изложбата, която беше организирана от групата на Севр, художниците от Севр, на който аз съм основателят. И такава беше идеята да направим едно европейско турне, но с пандемията нещата малко се усложниха.
Mais malgré cela, le but, c'est de continuer à venir exposer en Bulgarie en particulier. Donc je suis revenu ici à Plovdiv. Il est prévu de faire une autre exposition à Sofia. Et si Bojidav est d'accord, j'espère bien qu'on va pouvoir continuer à collaborer ensemble et à faire encore de beaux projets. И така в Пловдив направихме изложба, предстои една в София и ако Божидар има така идеи и се разберем, ще продължим нашето сътрудничество. Кажете, ако обичате, съвсем накратко нещо повече за вас, тъй като вие не сте много известен в България, предполагам, че това ще се промени в бъдеще, за вашия аристократичен корен, за това, което сте завършили и какъв сте вие като художник, непознат за българската публика. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails de votre biographie, ce que vous avez étudié, comment vous avez étudié, votre brin de famille, ancienne famille française? Alors oui, ça c'est toute l'histoire. Dans ma famille, on allait à l'école assez tard. Donc je suis allé à l'école assez tard et du coup j'ai pu développer ma curiosité. Par la suite, alors je n'ai pas été un très bon élève, je l'avoue, mais... Бях... Историята е доста дълга, но ще кажа накратко. Аз съм от едно семейство, където децата ходят късно на училище и така можах да се развие моята любопитството ми да се развие в по-голяма степен. Voilà. Et puis alors après avoir passé mon baccalauréat, j'ai fait des études d'architecture intérieure. След матурата завърших вътрешна архитектура. Et puis après, j'ai exercé ce métier pendant 35 ans, mais en même temps, je donnais des cours de dessin. J'ai toujours gardé le contact avec le dessin et la peinture. Разбира се, 35 години работих като архитект, но никога не оставих моята любов рисуването и давах уроци по рисуване. Както и продължавах да творя. Voilà, et puis il est arrivé un moment où bien la passion m'a dévoré, j'ai voulu faire de la peinture à temps plein et c'est ce que j'ai pu faire à partir des années 2014 à peu près. Mais parallèlement, je continue à donner des cours dans des ateliers dans des écoles de temps en temps. Enfin, je garde le contact avec d'autres personnes, parce que quand on travaille la peinture, on est un peu isolé. Donc j'essaye de casser ça. И успях, понеже рисуването наистина ми влезе вътре в мен и аз успях да се отдам изцяло на изкуството някъде от 2014 година. Съм се отдал на рисуването, както и на поддържане на контакти с други хора, други художници и подавам уроци по рисуване. Да ни кажеш само някои думи за творческото формиране на Севра. Какво представлява ателието му, групата на художници от Севра и каква е идеята за създаването на това течение Севра? Vous pouvez nous donner quelques détails du groupe de Sèvres, de votre atelier à Sèvres, et pourquoi ce groupe de Sèvres? Eh bien, mon atelier était à Sèvres. Alors à Sèvres, vous le savez sans doute, il y a la grande manufacture qui est mondialement connue. В Севра ми е ателието, той си беше отдавна там и, както знаете, това е един град свързан с изработването на порцелан от векове. Et là où j'ai mon atelier, c'est un endroit où il y a plusieurs ateliers, on va dire, et j'ai pu rencontrer un autre peintre et avec qui on s'est très bien entendu, on a beaucoup parlé peinture et on a eu la même vision des choses.
в ателието, до ателието, те са група ателиета, които са на много живописно местенце, на върха на така на една височина, и там творят и други художници, както един приятел, който с когото много добре се разбрахме и си партнираме. Et puis j'ai trouvé intéressant de créer ce groupe. On a invité un autre peintre, Amor, qui est un peintre déjà très reconnu. Et on voulait, avec ce groupe, porter un peu l'image de la créativité française et de Sèvres, qui est une ville magnifique, au travers justement de tout ce périple en Europe qu'on ne désespère pas de faire quand les choses seront un peu plus calmes, évidemment. И така с този приятел художник и с поканихме Амор, който е много признат художник, и тримата да можем да покажем творчеството, френското творчество, и да излезем извън границите на Севр. Знаем, че има допрес с много художници от Източния блок. Какво е по-различното от тези художници от Източния блок и познава ли персонално някои пловдивски художници? Est-ce que tu connais les œuvres de peintres de l'Europe de l'Est? Comment tu vois la peinture de l'Europe de l'Est? Est-ce que tu connais quelqu'un, un peintre de Plovdiv, plus précisément? Alors, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Alors, en plus, en bulgare, pour moi, c'est très difficile. Mais j'ai été voir le musée des Beaux-Arts à Plovdiv, à Sofia, pardon, et j'ai été très impressionné par les peintres, notamment les peintres femmes. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de peintres femmes magnifiques. Et наистина в София посетих музея, художествената галерия, и там бях много приятно изненадан от творчеството на българските художници, и най-вече ме порази фактът, че има много жени художници и тяхното творчество много ми хареса. Et puis par l'intermédiaire de la galerie Nova à Sofia, où on avait fait l'exposition, j'ai pu voir un peu les artistes qui avaient exposé avant moi et après aussi. J'étais assez impressionné. Notamment, il y avait un sculpteur. D'ailleurs, ils ont une magnifique sculpture dans leur galerie qui était, que je trouvais magnifique. Malheureusement, j'ai une telle mauvaise mémoire de nom que je ne peux pas vous dire le nom, mais il était déjà assez connu, il est assez reconnu. За съжаление, много ми е трудно с българските имена за сега, може би. И не мога да си спомня точните, но в галерия Нова, където имах изложба, там много приятни скулптури. Запознах се с скулптури, които са сигурно много известни в България. И се надявам за бъдеще да. Добре, последен въпрос. Кое е най-доброто, най-добрия спомен и най-доброто чувство, което ще отнесе от Пловдив във Франция? Quel est le meilleur souvenir et le meilleur sentiment que tu vas apporter avec toi en France? Je sais pas si je peux le dire, mais le vin cheval. Не знае дали много добре звучи, но виното Шевал, да, тук има и реклама, съжалявам, не може да кажем откъде. Mais indépendamment de ça, tout ce qui ressort de cette culture qui date de depuis tellement longtemps, aussi bien par les ruines que l'on voit que par les musées, même la vieille ville de Plovdiv, c'est chargé d'histoire. Il y a la maison de la Martine quand même. Donc on sent qu'il y a un bouillonnement qui est vraiment très, très impressionnant.
Това беше шега, но наистина, че България и Пловдив най-вече има едно като бульон от много култури и много антични постройки с тяхните в Стария град има и къщата на Ламартин. Добре, благодаря ви много и се надявам, че ще бъде се видим във Франция. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci et on espère se retrouver encore en Bulgarie ou en France. Eh bien, venez en France avec plaisir. Je vous y attends et je reviendrai en Bulgarie très 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 prochainement parce que j'adore ce pays. Ok, merci. Ще се върна в България най-скоро време.